C'est la première fois, je crois, que je suis classé bronze dans une division après un placement. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Alors, je fais un 3v3 parce que je suis gold et on va essayer de tout monter platine. Mais en fait, je joue moins en ce moment. C'est pour ça que je sucks comme un pou. Mais là, c'est vrai que je suis super étonné quand même d'être classé bronze. Mais ça me gêne pas. Moi, j'aime bien cette division. Je trouve que c'est une division qui nous tient au corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui nous vraiment nous absorbe et nous fait comprendre que parfois, eh bien, plus rien n'a de sens, plus rien n'est vrai. La physique et comment dire, la physique est altérée. Le temps aussi, lui, est altéré. Tout est différent, voilà. Tout est différent en bronze. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc voilà. Enfin bon. Alors c'est bon. On va pouvoir charger. C'est la division de l'Union. Tout à fait. C'est la division de l'Union. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est parti. Damien, Terran et Norman, Terran, Larsen aléatoire, Pépère, Protoss, Hellblather aléatoire. On est Protoss, on va donc gagner. Hi. Voilà. Bon, ils ont compris, hein. Voilà. C'est bon, je pense que tout le monde a compris. Et c'est parti. Donc on est Protoss, on est sur le bas du bas. On est bien content d'être là. Et hi GLHFKK. Donc là c'est plutôt intéressant. Alors c'est parti. Drop down Marines. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, il va faire un drop avec des Marines. 7. Pourquoi il dit 7? 7 minutes. Ah, on est sur un bon serveur daily, je crois. On drop plus. Ah là là. Est-ce que j'aurais brain? Je crois qu'on est sur un bon serveur daily, les amis. Ça y est, je crois qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé. 4000 encodés, 0 droppé. Nous ne sommes pas à 10% de drop. Donc ça y est, on a trouvé le fameux serveur daily qui fera qu'on ne droppera pas. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors là, on a le truc qui est sorti, on est bien content. Normal que je sois unranked et que je tombe contre des diamants en 1v1. Alors même si tu joues en unranked, sache qu'il y a toujours ce qu'on appelle un MMR, donc c'est une sorte de classement caché qui fait que tu vas pas tomber, tu vois, sur des... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est bon. Oh putain, ça six-pool. Oh shit. Six-pool. Donc tu vas pas tomber sur des bronzes toute ta vie si tu joues en unranked, tu vois ce que je veux dire. Sinon, ce serait bien trop facile. Et voilà. Bon, ça six-pool en face, enfin je crois. Est-ce que c'est vraiment un six-pool? Non, je crois pas que ce soit un six-pool. Alors attendez, I will be prepared. Ok, bon. They rush. Be ready. Moi j'ai fait juste un truc pour... La MMR ne compte pas en unranked, tu peux jouer GM comme du bronze. Ah c'est vrai? Tu crois? La preuve est passée derrière et est repartie après 5 secondes. Ok, peut-être. Hop. Hop. Alors, c'est sensationnel. Nous allons faire 2 Zelts. 2 Zelts. Ah, mais j'ai encore ma probe. Oh non, je pensais qu'elle était morte. Zet à l'air. En fait, c'était un pote qui avait perdu sa truc. D'accord. Bon, je vais faire un gaz quand même. Voilà, et les Zerglings arrivent. Donc, ils sont là. Ils sont là, les Zerglings. Et ils sont là tous les Zerglings. Allez, hop, tenir position. Voilà. Donc là c'est bon, on est prêt bien sûr. Il mériterait. Voilà, on est prêt à réceptionner les Zerglings. On a 2 Zélotes, donc c'est largement suffisant pour se défendre. Hop, et c'est parti. Alors, on a détruit notre propre pylône, bien sûr, pour pouvoir aller attaquer les Zerglings. Donc là, on est un petit peu supply block, mais c'est pas grave. On va refaire les pylônes. Là, on a une amélioration à faire, donc y a pas de problème. On va même faire d'autres gateways, vous voyez, avec les minerais. Pas question de ne pas dépenser les minerais que nous avons engrangés à cause de ce supply block. Là, on a double pylône, on va aller faire un autre gaz, tac, tac. Et là, on va se mettre à refaire de l'unité, parce que les pylônes vont pas tarder à sortir, donc ça correspondra évidemment. Et voilà. Très très bon début de partie, Zerator, excellemment géré, tu es un dieu vivant. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Et c'est bien. Alors, le noyau de vaisseau mère, on va pas le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une sonde ici, d'accord, très bien. Donc c'est bien qu'il l'ait vu, comme ça,
Pas de jambonnage en direct sur les unités. J'ai mes deux éloges, je suis bientôt content. Il y a un pylône caché en bas. C'est vrai, tu crois? Je vais aller voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, vous avez tout à fait raison. Hop, hop. Hop, 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 hop. Et ensuite, on ira en bas pour aller voir un petit peu ce qu'il se trame, ce qu'il se passe. Appelez ça comme vous voulez. Et là, je vais faire mon petit bâtiment. Ah, non, il n'y a pas de pylône, hein. Pas de pylône, mais vous avez raison, c'était possible. Hop, voilà. C'est bon, c'est bon. Ta 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 ta. C'est bon, c'est bon. Ta 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 ta. C'est bon, c'est bon. Peut-être sur la B2. Je ne sais pas, je vais voir. On va essayer de tout scouter pour voir s'il n'y a pas un pylône caché. En mode petit fourbe des bois. C'est bon, ça m'a l'air bien quadrillé cette fois-ci. Donc voilà, je continue de faire de l'écho hein, pour l'instant. Pour l'instant, tout se porte bien. Tout se porte pour le mieux. Il faudrait faire une B2 idéalement. Il y a un pylône caché en bas toujours. Ouais. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Un deuxième gaz, oui, ça c'est bien. Hop! Voilà, 34 sur 34. Ah, merde! Help me! Help me! Help me, go! Go, Johnny, go! Go! Johnny, be good! Di da di do di da do di do di da da! Ah, je l'ai bien brain là avec ma micro là, il doit être bien deg. Ah, y'a des mecs qui arrivent. Non, c'est bon, c'est des potes. Ah, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Toi, on va attaquer lui. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est bon. Voilà. Merveilleux. Voilà. Voilà. Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Tout va très très bien, madame la marquise. Ok. Donc là, on est à 21 sur 24. Tout va bien. Voilà. C'est bien, on est bien, on est bien. Ah, il était là. Voilà, toi tu recules. Toi aussi. Voilà. Hop. C'est bien, on est pas mal. On est bien, on est bien, 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 bien. Alors là, on va faire l'amélioration des Stalker Blink. Donc c'est ce qui va nous permettre de nous téléporter à une courte distance afin de prendre l'avantage sur nos adversaires avec, eh bien, le terrain. Et je sais, je suis supply block, c'est la merde. Je vais faire un pylône ici et je vais aller faire une deuxième base afin de récolter un petit peu plus de minerais. Et voilà, on peut pas mourir dans ce jeu, hein, oui, je sais. Expand. Hold. Non, 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 je le fais là. Ici, t'inquiète. Voilà, tac. Ah, ok, le mec a écrit. Ah, ok, donc ça c'est un français normalement. Mais bon. Alors attendez, c'est parti. On va faire un deuxième pylône ici. C'est parti, on y va, on y va. Tac. Un machin qui truc qui fait trop plaisir là aux, aux gens parce que c'est trop imba apparemment. Ah, nous avons sonné à la porte, c'est merveilleux. Alors, voyons voir ce qui se passe. Nous avons ici, eh bien, un truc, voilà, bien, 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 bien. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on me demande du minerai. Ok. Hop. Hop. Sauf que c'est le jardinier. Mais en fait, c'est pas ma sonnette. Enfin, c'est un peu compliqué. Actuellement, on vit à 13 dans cette, comment dire, ce complexe robotique. C'est le vrai Norman qui jouait SC2. Non. Putain. Oh la vache, c'est une catastrophe. Ah non, ça a ressonné, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas l'ouvrir en direct quand même. Mais c'est pas ma sonnette. Moi, c'est pas ma sonnette, j'y vais pas. Tant pis, peut-être que le mec va sonner pendant des années et des années. Et dans ces cas-là, eh bien, personne n'aura la chance de lui ouvrir, c'est bien dommage. Alors attendez, qu'est-ce qu'on fait ici pour, eh bien, l'avenir de la galaxie? C'est mon pylône ça? Ah putain, qu'est-ce que je suis intelligent. Normalement je fais pas ça, moi je fais pas les, vous savez, les pylônes un petit peu plus loin et tout. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est parti, vous voulez qu'on attaque? Ouais ouais, ok, on t'attend mon gars. Moi j'ai que les stalkers, c'est très très bien les stalkers. J'ai une deuxième base qui est prête je crois, mais qui ne sert à rien pour l'instant. Donc il faut amener les sondes dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il fait les trucs en mode... En mode, le mec est trop fort, d'accord. Le mec est trop fort. Double Nexus. On va faire de l'économie. J'ai mis plus que 14 trucs ici. Bon, c'est pas très grave, mais il faut que je fasse des améliorations. Oh là là, je suis pas très bien. Je suis pas très bien. Non, si, je suis peut-être bien, j'en sais rien en fait. Ok, c'est parti. C'est parti. Hop, blink. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Salut. Ah. Oh putain, d'accord, génial. Sensationnel. 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 Donc j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Oh putain. Oh, s'il y a vraiment un truc auquel je m'attendais pas, c'est ça. Des milliards de banlings.
Cool. Non mais c'est trop cool. Super salut, ouais, voilà exactement. Le mec m'a dit super salut avec ses unités. Et donc lui là il a fait quoi? Ah il a détruit quand même les trucs. Ok c'est bien. Bon c'est bien, on y a gagné. On a gagné au trade. Puisque bien sûr là nous avons l'avantage. Puisqu'il a détruit des unités. On va faire quelques zealots. C'est bien, j'ai économisé quelques unités. Je pense pas qu'ils aient le blink en face. Tac, là on va faire tac, tac. On va mettre quelques probes ici. En fait, on va faire point de ralliement là et point de ralliement là dans 18. Donc ça va pas, on en met deux ici. Chrono boosté, le pylône ici. Parce qu'on sera très vite supply block. Sinon, tac, tac, tac. Il va falloir faire un petit peu plus de gateway zérator. Donc on remonte, on va placer un gateway. Là en fait, ici. Donc c'est merveilleux. Qui livre bataille sans moi? Comment osez-vous faire une chose pareille? F2 pour ne rien oublier, on fait ça. Vous avez vu, là je commence à être un peu en mode very fast. Donc voilà, bon plus de sonnette apparemment. Le mec a abandonné l'objectif. Alors, ah il a dommage, il avait pas fait le speed de ses medevacs. Ça se trouve il n'y avait pas pensé. Comme moi c'est possible. Alors il y a un mec en moins en face. Alors ils ont quoi comme amélioration? Ils sont à 0-0 donc les massacres pour l'instant. C'est merveilleux. On chrono boost ça, c'est parfait. Là toi tu vas venir ici, tu vas faire deux gateway en plus. Ça c'est cool. Ensuite tu vas aller au gaz ici. Toi tu vas aller au gaz ici. Toi tu vas aller au gaz ici. Et on est à 11. Bon voilà, je vais faire quelques probes. 11, 18. Donc là double point de ralliement ici. Excellent. Voilà, c'est une catastrophe. Je continue de faire des... Je reviens de vacances et pas de libre antenne. Ah ouais, pas de libre antenne. Alors j'ai expliqué pourquoi hier. On est en procès contre Daniel Cohn-Bendit, l'inventeur de la libre antenne dans les années 60. 60-70. Mais on a Bob le Gob dans notre camp, je disais. Et donc on est plutôt parti pour gagner ce procès. On est très content. Et on va pouvoir en refaire comme ça, ce sera super. Alors on y va. On y va. I am ready again. Yeah. I am ready again. Pourquoi ça fait ça? Alors que je n'appuie pas du tout sur la touche correspondant à cette merde. Ok. Alors. Portail, porte de transfert. Portail, porte de transfert. Et portail, porte de transfert. Ah, ils ont changé. C'est vrai qu'ils ont changé les icônes là, des trucs. C'est marrant ça. Excessivement marrant. D'accord, tac, tac, hop, une sonde, viens là. Tu as fait un pylône un peu plus loin. Pendant ce temps, nous allons aller... Poussez-vous, bordel. Hop, nous allons aller ici, afin de prendre la vision. Merveilleux. Ok, on n'est pas supply block, mais on n'est pas loin quand même. Donc là, on va aller faire deux... Non, on va garder lui, et on va aller... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, zéro drop quand même, c'est incroyable, hein. Là, c'est incroyable, on est à zéro drop. Voilà, ça vous épate, hein. Moi, ça m'épate. Personnellement, ça m'épate. Et voilà. Alors attendez, parce que là en fait j'ai pas pris mes trucs dans mes contrôles, je suis un peu nul. Mais ça va le faire. Tac, plus toi. Non, toi, tu restes ici. Voilà, tu restes ici. Hop, voilà, très bien. Hop. Go. On manque un peu de corps à corps. Go, M. Putain, mais. Musique des. Je suis en QWERTY ou quoi? Putain, je suis en QWERTY. Voyons. Go. N'importe quoi. J'étais en QWERTY. Pour une raison inconnue, bien sûr. Voilà. J'ai pas de détecteur. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle, bien sûr. Alors vous, la moitié, vous allez ici. Dont deux qui vont faire... Oh merde. Hop. Voilà, très compliqué. Très compliqué, StarCraft. Vous avez vu, il y a plein de couleurs, plein de flèches. Plein de chair. Et voilà, je continue de faire des stalkers. Alors les stalkers, c'est pas très compliqué. C'est assez facile à faire. On peut monter ici si vous voulez. Ah, il y a des mines. Attention les tempêtes psioniques! Oh putain. Que? Oh putain. Voilà. On est pas mal. Colosse. Ouais, on a vu. Voilà. Hop. Donc là, ils n'ont pas la vision normalement. On va leur enlever la vision. Ah si, ils l'ont avec une tumeur muqueuse. Go! Voilà, donc j'ai gagné cette partie. Colosse kills them. Kill them. Kill them all! Donc on a gagné, bien sûr, hein. C'était assez facile. On est Protoss, donc en même temps, perdre en Protoss, ça reste quand même un défi à StarCraft. Alors on y va. Non mais viens, mec, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, attendez, l'amélioration bientôt finie. Paf, on lance la deuxième. Pendant ce temps-là, on y va. Paf, là, on va... Non, pas du tout, ce n'est pas déjà fini. Hop, allez, viens. Voilà, ensuite on va relancer des stalkers, c'est merveilleux. Paf. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tiens, voilà, dégage. Et ici. Allez, venez là.
Ah putain, attendez, là on va faire un truc, on va faire le truc des beaux gosses. On va faire le truc des beaux gosses. Donc le truc des beaux gosses c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Ça c'est un truc vraiment de beaux gosses, regardez. Alors il y en a qui ont raté, je crois. Non ça va. C'est bon. Ah si, eux deux ils ont raté. Ah non, ils ont juste pas blinké. Si lui il a raté, voilà. On a eu une perte. Un mec qui a raté complètement son blink. Ça c'est vraiment le truc des beaux gosses. Oh, Mass Stalker. Et là on va faire un hack-click là-bas. Voilà, voilà, tu vas crever saloperie. Il est à 0-0 en amélioration. En même temps, si je joue contre des bronzes, c'est un peu normal. On a beaucoup trop de minerais, c'est pas grave. Non, si, ça va en fait. Ça va, on va faire des DT, on va faire des templiers. Des... Non, 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 on va pas faire ça. Tac, 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 hop. Merde. Je fais n'importe. Ok. Meurs. Meurs. Alors ça, c'est les bronzes, ils quittent pas. Quittent pas la partie. Quitte pas la partie, c'est insupportable. Mourez. Voilà, mourez. Allez. C'est marrant, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le bug bip bip, vous avez remarqué? Le bug bip bip de la souris là. Bip bip. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celui-là. Moi je trouve qu'on devrait l'avoir plus souvent. C'est pas normal. Allez, on avance s'il vous plaît, le Terran. Voilà. Hop. 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 Donc maintenant on va faire des zélotes, non? Peut-être? Non, je sais pas. À la limite, on peut ne pas en faire parce que c'est pas... Parce que c'est pas très grave. Alors, tac, ah! Vous avez entendu? Oh, j'ai failli avoir le bug du bip bip, mais je l'ai brain. Parce que maintenant on sait lui parler en bug du bip. Merde, pourquoi j'ai mis ça en groupe 3? Donc maintenant en groupe 3, c'est ça? Non, ça va. Donc là, on va aller finir les bâtiments du mec. Donc tac, ça ce sont les zélotes qui sont chargés de finir les gens. Donc voilà. On va développer la charge zélote. Voilà. Vous, on va vous mettre au gisement de minerai. On va faire des Dark Temple. Non, c'est un peu useless de faire des... Ah, c'est ça mon groupe 2. Ah, d'accord. Sensationnel. Bon, j'ai beaucoup d'unités, hein. Ah, là, je sens qu'on est à la limite du bip bip. Vous entendez? Monarque l'a eu, c'était épique. Eh ouais, mais le bug bip bip, hein, c'est... Paf paf. Oh, ça, ça fait mal, ça. Ça, ça fait bien mal, on est d'accord. Alors, lui, il a quitté la partie. Ok. Ah, voilà, on a gagné. On a gagné, c'est super. Et voilà. Bon, en même temps, on était protos, donc c'était pas... Enfin, c'était assez facile. C'était assez facile de gagner. Donc voilà, là, on gagne des portraits, des trucs complètement useless. Immortel, immortel, c'est génial. Performance, Zerator, APM 78. 78. Ça fait quoi quand ça bip bip, ça marche plus? Oui, la souris ne marche plus. 22 minutes sans AFK brain. Si, si, mais on était à la limite. On était à la limite de la limite. Et voilà. Bon, dépense d'amélioration. Vous voyez, j'étais pas du tout premier. Hein. C'était le Terran Damien qui était premier avec nous. Moi, j'étais là. Ensuite, taux de récolte des ressources. Bon, j'étais premier, mais sur la fin, on a eu Norman aussi, le Terran, qui a dû faire un gros pack de mules à la fin. Et c'est pour ça. Valeur de l'armée. Valeur de l'armée. Qu'est-ce que c'est? Valeur de l'armée. Ah, je suis bronze. Pourquoi je suis bronze? Ok, c'est pas grave. Valeur de l'armée, c'est quoi? Zerator. Ah ouais, je suis là, au-dessus, c'est bien. Ouvrier actif, Zerator, j'étais là. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, on m'a rétrogradé bronze, c'est ça? Pourquoi il y avait écrit bronze en haut à droite? Je sais pas. Aucune idée. Mais on est plutôt bien. Bon, il est 54, donc on va faire un petit 6 pool en 1v1. Attendez, je regarde juste, je vérifie qu'il y a bien la préférence. Voilà, bien les préférences de cartes. Et voilà. Donc petit 6 pool en 1v1 en 2-3 minutes. Et ensuite, on partira directement. Et bien sûr, du Shootmania Obstacle. C'est passé tellement vite. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de games, hein, c'est vrai. Mais puis on a eu le problème du drop daily, malheureusement. Mais c'est réparé. C'est réparé. Donc ça fait... Oh merde, qu'est-ce que... Oh là là, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les conneries. Hop là, voilà, 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 voilà. Ok, excusez-moi. Plaf, 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 plaf. Alors j'ai trouvé un match, et c'est un Protoss en plus, donc on va probablement gagner la partie. Alors je suis platine, j'ai aucune idée de si on va gagner, hein. Alors, c'est juste contre les Protoss. C'est vrai que c'est un petit peu plus facile, donc il y a un mec, ça fait 3 fois qu'il spam, j'avais une pure black Zerator, donc on ne sait pas pourquoi il dit ça, hein. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Alors sur quel serveur je vais faire de l'obstacle? Aucune idée, évidemment. Ce sera forcément de l'obstacle, on peut espérer un peu de combo avec Noxer. Alors hier on a fait du combo avec Noxer, et comment dire, et en fait on a fait du Royal Race, c'était plutôt marrant. Parce que le combo ne marchait pas.
Donc voilà. Alors, Zerator, Zerg. Ok, bon, c'est bon. On est Zerg. Alors, je sais pas. Alors, le seul moyen de perdre, ce serait que ce soit un sniper en face. Ou un mec qui me connaît, ou un truc comme ça. Donc, on va voir. On va le voir assez rapidement. On le verra en regardant le replay pour l'instant. Donc là, on va voir. Et donc, c'est parti. On attend 200 de minerai. Donc, vous voyez, Zerg, c'est pas très compliqué. On peut discuter un petit peu. Et une fois qu'on sera à 200 de minerai, eh bien, on pourra y aller. On pourra y aller. Ce sera sensationnel. Bon. Alors, c'est bon. Voilà, on a 200 de minerai bientôt, là, donc on arrive, on met le probe, hop, on place son truc, et maintenant on va faire deux drones, donc vous appuyez sur S, vous appuyez sur D, et là vous laissez appuyer le D sur votre clavier, et quand vous voyez 7 sur 10 apparaître en haut à droite de votre écran, eh bien ça veut dire que votre six pool est prêt, et que vous n'avez rien à faire, donc voilà, par exemple là, regardez, tac, voilà, 7 sur 10, donc là on n'a plus rien à faire, donc on peut discuter ensemble, il faut juste attendre que le spawning pool se termine, et là voilà, j'espère que tout ira bien, donc c'est compliqué ce jeu, ouais, on peut mourir apparemment, il faut le sortir du four, quoi, qu'est-ce qu'il raconte, ma visionneuse de daily s'est mise à la place de l'IRC, what the fuck, ah oui, alors maintenant qu'on a les trois là, on va faire S, Z, et on laisse appuyer le Z, parce que sinon, ça ne marche pas évidemment, donc voilà, Z, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, il a vu seulement maintenant qu'on avait fait un six pool, donc là, c'est quasiment sûr d'être perdu pour lui si c'est pas préparé, évidemment. Donc, il a scouté assez tard, c'était assez risqué de sa part. On va faire un overlord, et maintenant, on peut y aller en mode tryhard, c'est-à-dire que, eh bien, on y va. L'overlord, on va le mettre au milieu, voilà, très bien. On attend que le overlord sorte. Limite, on peut... Ouais, non, on va pas faire ça. Et donc là, on y va, donc je sais pas du tout comment sera préparé le proto, s'il a des canons, ça voudra dire que c'était un stream hacker, et sinon, eh ben, on aura perdu, ce sera pas grave, on y va, on va voir comment ça va se passer, on est en train d'aller chez le Protoss, en tout cas, c'est merveilleux, et le Protoss s'y attendra-t-il? Aura-t-il fait une B2? Aura-t-il un Zélote prêt ici? On est à 3 minutes, et les Zerglings arrivent dans la base, regardez, 3 minutes, hein, 3 Starcraft minutes sur le compteur, et là, surprise, nous avons un canon à photons. Donc c'est très rare pour un Protoss de faire des canons en tant que premier bâtiment, mais fort heureusement ce n'est pas suffisant et nous allons donc gagner la partie. Donc merci à ce Protoss qui se sera quand même très très bien battu. On va faire un petit peu de micro, non c'est pas la peine, oh si c'est la peine. Donc il se sera très bien battu, merci à lui. Malheureusement ce sera insuffisant et il aura perdu. Il a Forge First, Forge First c'est pas stupide, je pense pas que ce soit un stream hacker honnêtement. Et voilà. Donc là, quelle est la solution pour le proto? Sa solution, c'est de faire un canon dans sa base, bien sûr. J'espère qu'il va le faire. Ah, il l'a pas fait, apparemment. Ah, alors là c'est une grosse erreur. La solution aurait été pour lui de faire un pylône et un canon dans sa base. Malheureusement, il n'a pas fait ça. Donc ça risque d'être très très compliqué pour lui. Donc on va aller tuer la forge, quand même. Ah, il a perdu! Il a quitté! Donc voilà, il est 58 et nous serons parfaitement, eh bien, dans les temps pour ce timing. Donc ça fait Forge First, la majeure partie du PVZ sur le ladder. Oui, Forge First, excusez-moi, c'est normal. Hein. N'était pas un stream hacker. Donc on a gagné et on est platine, toujours aussi platine. Hein. C'était assez exceptionnel. Alors voyons voir, quel était ce joueur? Il était diamant, il était platine, obtenu 3 fois. One contre one swarm, 251 parties, 124 victoires. Donc un mec environ à 50% sur le ladder. Il était plutôt fort, c'est dommage. Et voilà. Et on vient de le stopper. Il avait fait une victoire juste avant contre un magnifique Protoss. Il était à 120 APM. Une game de 30 minutes, hyper longue. Ça devait être une très très belle game. Et là, juste après sa macro game de 30 minutes, il a fait un 6 pool. Il a perdu. C'est bien dommage. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.